gravé sur le sol. C'est quoi d'après toi? Ça présage rien de bon. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh. Là-haut, je crois qu'il y a un passage. Ok. Il y a de la lumière là-bas. Pauvre type. Je sais pas, je préférerais moisir en prison plutôt que de me faire torturer. J'en prends bonne note. Bon, alors, comment on sort de ce trou? Là-haut. T'as raison. T'entends? Oui. Ouais. Voilà notre indique. Là-haut, il y a une brèche. L'œil de Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Dit un poème Oïsala qui parle d'un jeune roi. Il était bon, alors il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes? Très bien. Alors, pendant les guerres, ces aqueducs charriaient du sang dans toute la capitale. Car ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple. Les autres. Allez, finissons-en. Il faudrait que tu travailles tes réflexes. Trop lent. Un peu, ouais. Allez. Une anguille. Une anguille. Merde! Vous voyez, pour régner sur un peuple, il faut d'abord répandre le chaos. Attendez! Je vais provoquer une guerre civile. Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du jeune roi.
En commençant par vous. Sur lui. Accroche-toi à quelque chose. À n'importe quoi. Ça va? Ouais. Je crois. Vas-y doucement. T'étais inconsciente depuis une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Oh merde. Oh merde. Ah, ça m'a pris le disque. Calme-toi. Oh, il faut qu'on le suive. Tu calmes. Tu vas tenir le coup? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une sœur jumelle, non? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Je voulais te dire... T'avais raison, à propos d'Assav. C'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Tu trouves aussi? C'est exactement ce qu'il veut. Je suis sûre que ses lunettes lui servent à ça. Pour avoir l'air plus inoffensif ou plus futé? Les deux. Il est intelligent. Il était docteur avant d'embrasser sa cause. Alors il a abandonné une carrière lucrative? À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. Hé, t'es sûr que tu peux continuer? Mais oui, ça va aller. Faut juste que j'y aille mollo quelque temps. Là-haut. Force pas. On a réussi. Fraser, la porte est par là. Ouais, une seconde. J'ai envie de jeter un dernier coup d'œil à cet endroit. C'est à ça que ça ressemblait pour les Perses, avant leur invasion. Prête? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, on n'était même pas là. Allez. Allez, ouvrons ce truc. Vache sacrée. C'est Nandi. Elle garde la porte de Shiva. Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. Ces aqueducs doivent ouvrir. Ouais. Oh merde. Assav s'apprête à entrer. Ok, alors entraîne pas, suis-moi. Non. Comment ça, non? Sam Drake. Son putain d'expert, c'est Sam Drake? Ouais. Chier. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Je vais faire d'une pierre deux coups. Nadine. Quoi? Quoi? C'est un peu grâce à Sam si on est là depuis... Non, tu te fous de moi. C'était mon contrat. Sam partait devant en reconnaissance pour trouver oh, le merde. Disque. Mais il a disparu et j'allais pas le laisser pour mort. Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi et tu m'as embarqué. C'est ta relation avec Assav qui a fait de toi... On va surtout te retiens pas. Je me suis retenue. Tu sais quoi, Nadine? Ça change absolument rien. Tu auras quand même ta part.
Ah ouais? Ou vous vous débarrasserez de moi dès que vous aurez la défense. Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce. Et dire que je t'ai fait confiance. Écoute, j'avais prévu de te parler de Sam, je te jure, j'attendais juste le bon moment. C'est pas grave, je préfère marcher, de toute façon. Merde. Voilà ce qu'on gagne, à être honnête. La claque. Bon, on n'est pas très loin. Oh. Alors c'est la claque qui il servait à ériger la statue de même. Et pour le tout. Moins vite! Moins vite! Bah! Oh! Bon, au moins il me reste ma dignité. Leçon, cher univers. J'essaie par là. Ah, bien. Elle est vraiment dans la merde, là. Faut que je la rejoigne. Je peux dire adieu à la caution. Elles sont repérées ? Pour rien. Ouvrez bien l'œil ! Elles doivent pas se cacher bien loin ! Elles n'ont pas pu aller loin à pied.
Je les vois là. Ça doit être elle. Non, rien.
babysitter. Fais juste ton boulot. Ça y est. Plus personne. Tu veux un coup de main ? Et voilà. Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti. J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Oh merde. Écoute. Allez, crache les morceaux. Ok. On joue carte sur table. J'ai besoin de ton aide. Il fallait y penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord ? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à perdre. Tu comprends ? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense. Pas Sam Drake. Et encore moins toi. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais ? Pas sûr qu'on nous suivra pas. Ah, bonne idée. C'était quoi ? Ni plus ni moins que ce que t'as entendu. Prenne des raccourcis. Incroyable. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi ? On n'a pas trouvé l'entrée, mais la porte de sortie. Ok. On dirait un puits à degrés. Tu t'en fous. Chut. T'as entendu ? Maintenant, oui. Ignorez-nous ? Pas qu'elle soit blessée. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Doucement. Chut, 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 tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Attends, parle pas si vite. Il faut qu'on saute. Reste calme. Tu me parles à moi ou à l'éléphant ? Les deux. Oh, ok.
Il nous emmène où? Où il veut. Tiens. T'en veux? Voilà. Écoute, je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais des bandits ont attaqué son campement et... ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... écoute, Fraser... t'as pas... qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il charge. Dis-lui d'arrêter. Comme si je parlais à éléphant. Regarde-moi ça. Je comprends pourquoi elle était si pressée. Et à propos de Sam... ça va, j'ai compris, ok? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Au moins, on aura accompli une bonne chose aujourd'hui. On aura réuni une famille. Garde tes distances. Garantis avec eux. Je sais. Attends, je vais la prendre celle-là. Oh, ok, merci. Ouvre-toi un peu. Nickel. Maintenant, tends ta main un peu par là. Quoi? C'est le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Ça
Salah affrontant le tigre. On est sur la bonne voie, à mon avis. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. Sympa, Asav, de nous avoir les... Ça marche. Fais plein si besoin. Ça marche. Là-haut. Regarde, en haut des escaliers, je vois de la lumière à travers l'eau. Bonjour, Belour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville que personne n'a vue depuis des siècles. À part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. Et une partie de ses hommes. T'es prête? Tu viens de me gâcher ce beau moment. Je suis prête. Comment on entre? Je sais pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpons.